Pourquoi adhérer à l'Union de la France forte? En hommage à un grand homme qui a su tant donner pour son pays, qui s'est tellement investi pour nous tous. L'UFF œuvre depuis le lendemain des présidentielles de 2012 afin que les valeurs de Nicolas Sarkozy perdurent. Et surtout, avouons-le, nous nous sentons tous tellement orphelins, tellement perdus au départ de Nicolas Sarkozy. Avec lui, nous avions confiance, nous savions que nous pouvions compter sur lui, qu'il n'était qu'un homme, certes, mais quel homme courageux. Quoi qu'il arrivait, il était là, présent, avec des propositions, avec une vraie implication. Nous avons adoré le quinquennat de notre président. Quel plaisir avec lui, d'appartenir à un pays comme la France, quand on a un président qui sait chaque jour rappeler à tous que nous vivons dans un beau pays dont on doit être fier. C'était si émouvant, tous ces beaux discours, qui entraient en nous si facilement, si prenants, si riches en émotions et en sentiments. Nicolas Sarkozy, l'homme de la paix. Et oui, malgré ses apparences combatives, il reste un homme de cœur, un homme qui restera à jamais gravé dans celui de millions de Français, qui, comme nous, ne pourront jamais oublier ce qu'il a su réveiller en nous. Ce sentiment patriotique indescriptible doté d'un puissant sens humain. Jamais nous ne pourrons oublier ce 6 mai 2012. Jamais. Hier, aujourd'hui, demain. Que préférerions-nous choisir pour prendre en charge les maux de notre pays? Un homme qui a le sens des valeurs, de l'engagement et du respect, ou un homme qui promet le partage des richesses qui n'existent plus, ou bien encore les promesses utopiques du FN? Non. L'UFF prône par l'engagement des devoirs pour une validation des droits de chacun. L'intérêt commun, quand il n'existe plus dans une société, elle se meurt inexorablement. Riche, pauvre, tout le monde y passe. Alors, il n'est plus le temps de tergiverser sur la direction de la politique menée, mais plutôt de résorber ce problème humain, qui détruit tout sur son passage, par la qualité de l'homme qui en aura la charge. Cet homme, c'est Nicolas Sarkozy. Il a su largement nous montrer son engagement et son courage. Nous sommes des Sarkozystes, avant tout. Nous restons une association loi 1901, parce que nous sommes fiers de vouloir rester à l'image exclusive du peuple, pour le retour de Nicolas Sarkozy. L'UFF n'a aucune aspiration au pouvoir. Elle œuvre pour une idée, pour des valeurs, pour un homme. Pas pour elle. C'est pourquoi, nous restons une association loi 1901. Montrons-lui que nous voulons qu'il revienne, rejoignez-nous. Le moment venu, il saura qu'il peut compter sur nous. On sera prêt. Aidez-nous. Aidez-vous. Adhérez, portez-vous candidat pour un rôle actif, rejoignez-nous. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. C'était un communiqué de l'Union de la France forte. Le peuple, pour le peuple. La nation, avec Nicolas Sarkozy.